Jack. On s'était arrêté hier. Voilà, on a fait 1 h 30. Hop. Ah, et tu peux même reprendre la partie que t'as commencé pour la continuer. Hop, c'est rigolo. Alors. Le café, le café, le café. Ah oui, on était retourné voir le Jean-Michel pour upgrade un petit peu le Batal. Ah, Doudou, par contre, t'es devant l'écran, je vois rien, mon cœur. Pousse-toi, petit. Et. Ah, on a une île là-bas. C'est moi, là? Vas-y, on est juste à côté. On va aller là vite fait. Histoire d'aller choper un peu des ressources. Et après, on ira sur. Sur l'île où fallait qu'on aille. Chat. La louche, un jeu avec un goût. C'est le plus beau. Yeah. Ok, on arrive. Alors, on doit pouvoir choper peut-être un peu de calcaire. Je sais pas si ça brille. Ah si, là-bas. La touche. Ça passe. Minerai de cuivre. J'ai chopé une brique. C'est parti pour le grand voyage. Donc on va traverser le truc avec des éclairs, ça va être un nouvel event. Je pense qu'avec toutes les bouteilles qu'on a chopées, vu qu'il faut faire en bouteille, ça doit être ce truc-là. Ouais, va, Jacques. Attends, je vais en mettre deux. Parce qu'elle va nous expliquer comment passer les éclairs. On chope un peu d'autres poissons là. Probablement quand on aura plus de gens sur le Batal. Oui. J'en ai mis qu'un. Arrête. J'en ai mis qu'un. Pas lourde. Plein de café. Pour l'instant, le seul habitant qu'on a adore le café.
Ah, est-ce que ça va être là du coup la zone avec les... Ça y est, on est dans l'orage. Bon, ça marche. Assez haut. Ah, c'était juste ça? Putain, je pensais que ça allait être un gros event. Un peu déçu. Les nouvelles îles. Parkshem Creek. J'ai plus du tout ce qu'on venait chercher là par contre. Ça me bute qu'on fasse qu'on fasse ça avec le chat. C'est trop mignon. C'est la grenouille de Chine. Du coup, quand je suis passée sur la dernière fois, elle était vraiment genre haute. Très bien, tu es là. Écoute, je viens de faire tomber un citron dans l'étang. Mes doigts étaient tout collants. Ça a juste glissé. Comment? C'est une bonne question. J'ai mangé des baies toute la journée. Regarde. Mes mains, je te le jure, je faisais des expériences, j'ai ajouté un peu d'agrumes à ces fruits sauvages, mais là, ce ne sont que des baies sans saveur, sauf si il est juste ici, dans l'eau. Je le ferai bien moi-même, mais je dois m'occuper de ces petits fruits. Ton citron. Mais c'est celui-là! J'ai seulement besoin d'un mouchoir ou quelque chose comme ça. Je peux pas que avoir du jus partout. Peu importe. Tiens, ce citron est à moi. Mais ne le presse pas, hein. Attends une minute. Tu peux peut-être m'aider? Il n'y a plus de nourriture sur cette île. Mon estomac est toujours. Peut-être vous étiez à bord du bateau pour cuisiner, pêcher et faire de la construction. Je n'ai pas mes épices et mes outils, mais je vais m'organiser. Je n'y pense pas trop. Montons à bord du bateau. Allez. Cool. Ok, donc... J'avais vraiment vu que le début du jeu, du coup, chez Shinny. C'est pas plus mal, comme ça, je me suis pas spoil les autres. Ah, il est là? Ah, faut qu'il soit sur le bateau pour s'incarner, peut-être. Oh oh! Ce bateau est fantastique. Mais attends... Canaille, ce qui s'en vient, c'est du lourd. Prépare-toi pour la réunion de famille. Je crois qu'il a une bonne bouille. Et c'est moi, Stella, ton oncle Atul. Surprise! Agréablement, j'espère. Je suis sur cette île depuis un moment. J'ai hâte de voir les lieux et la mer en ta compagnie. J'étais seule avec mes pensées. Maintenant, à toi, petite. Levons les voiles vers une grande aventure. En avant toutes.
Attends une seconde. Est-ce que c'est un... Bien. Il a vu le spot de pêche? S'il aime pêcher, c'est vraiment le meilleur gain. Je le savais! C'est un super flot de mille! Je ne l'avais jamais vu de mes yeux. J'en ai entendu que des rumeurs. Il paraît que tu peux attraper les poissons les plus gros et les plus brillants. Waouh, Stella! C'est comment te faire plaisir? Mais attends une seconde! Il te manque quelques boulons? Laisse-moi deviner. Tu ne pêches que des ordures? Eh bien, plus maintenant! Tu verras immédiatement la différence. Et c'est là devant moi. Ah d'accord. J'ai upgrade l'activité pêche. Super, c'est le truc que je préfère. Oula! Oh! Ma canne a pété? J'ai pêché une baleine ou quoi? Alors faut que je relâche. Un petit calamar, très bien. Beau travail, petite. Ils n'ont eu aucune chance. Tu ne perds pas de temps. C'est ce qui fait de toi une pro. Mais cette pêche de champion m'a bien énervée. Ce qui me rappelle, j'avais cette chose brillante au fond de mes poches sur l'île. Je n'ai aucune idée à quoi ça sert. Tu peux peut-être le prendre. La garder en sécurité, je suppose. Oh, misère. Je peux aller prendre l'air. Oh, et en passant, tu es sûrement curieuse et tu en as sûrement déjà fait l'expérience, mais oui, l'eau est très salée. Bon, je m'en vais me balader dans les environs. Tu peux pêcher autant que le cœur t'en dit. Ok. Bah ça, c'est fait. Bave. Très bien. On va cuisiner un petit poulet. Ok. On va faire passer la naille. Shindar. Ah bah ça a l'air pas mal au ouais, niveau de chillage. Tout ça va bien avec le dimanche je trouve. Bah merci en tout cas pour ton lurk. Je te souhaite un bon dimanche. J'ai pas sonné. J'arrive, j'arrive. Rochette de calamar. Merci. Il est où? Ah, il est là. Tu as amélioré ton bateau. C'est bizarre. Ne me dis pas, ne le dis pas à Albert, mais il a oublié de serrer quelques boulons. Il était sûrement juste pressé. Donne-moi une petite seconde. Voilà. Oh, maman. Ça a fonctionné plus que je ne voulais. Voyons voir. Waouh, ce bateau a des options plus avancées maintenant. Premièrement, tu peux voyager sécuritairement et ne pas croiser de danger que la mer a à offrir. Quand tu utilises la carte, tu n'as qu'à activer le mode voyage paisible. Aussi simple que ça. Et ne t'inquiète pas, hein, ça ne sera pas activé pour toujours. La prochaine fois que tu sélectionnes une destination, il n'y a qu'à le désactiver. J'espère que ça t'aidera un peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah oui, le moteur a amélioré. Tu peux maintenant sélectionner plusieurs marqueurs de destination. C'est super pratique. Tu peux choisir ta route et laisser le vent faire le reste. Sinon, c'est aussi... un plus gros bateau avec plus de place. Bon amusement. Merci Jean-Michel. Où est-ce qu'on va du coup? Oh. Oh, y a des trucs partout. Oh, y a des trucs partout. On peut faire ça. Oh non, mais j'ai pas pu mettre d'autres marqueurs. Ah non! Ah bah non! Non, c'est pas ça que je voulais. Ah! Avorte the mission. Faire ça. Ça. Et ça. Voilà.
Ok, pour les grains de café. Un petit câlin. Merci, j'en avais besoin. Comment elle va? Elle a faim. Elle a faim. Alors ça, c'est une sacrée tasse de café. J'ai bu je ne sais pas combien de tasses de café dans ma vie, mais celle-là, c'est certainement ma préférée. Merci beaucoup. Voilà. C'est son aliment préféré. Ah bah non! Attends, je voulais parler à Jean-Michel. Qu'est-ce qu'il aime? Un petit câlin? Oh. Oh, mais lui aussi, il est trop mignon quand il fait des câlinous. Un petit câlin illumine toujours ma journée. Il a faim. Alors, nourriture. Oh là là! Ce que j'aime, la nourriture, n'arrête pas de m'en amener. J'en aurai jamais assez. Ah ouais, d'accord, c'est parce que si... Ah oui! Ah, par contre, il s'arrête pas... Ok. Que je fasse gaffe. Là, on repartait. Tu t'étais dommage. Et ramasser ce qu'il y a sur la coque aussi pendant qu'on y est. Il y a des trucs. Superbe, des ordures de mer. Saute vite à l'eau, il y a une épave. Je suis certain que tu trouveras des matériaux utiles. Ça y est, c'est fait. Pardon, c'est quoi ce petit saut de cabri? Alors, quand j'ai déjà pas de truc en bouteille, la cuisine c'est déjà fait, du quartz j'en ai qu'un, j'ai pas encore de lin, j'ai pas de planche. Je peux rien faire de... Je sais pas s'ils lui mettent pour la chasse aux méduses. Ah. Ils viennent encore. Je me sens pas très bien. Vas-y, j'ai foi en toi. Ah non, lui aussi, il a peur des méduses. Ziberdi! Pas trop. Beaucoup trop haut. Il va falloir que je retourne sur l'île d'hier aussi là. J'ai les deux. J'ai les deux compos pour avoir le double saut. Aidera peut-être d'ailleurs pour les méduses. Oh, il y en avait trois, c'est dégueulasse. Ziziz est dégueulasse. Ah, la grosse méduse! Non! 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 J'ai eu ma vie. Que des trucs tout en haut. Hop là. Pas très concluant.
Ouf. C'était chaud. Allez, une nouvelle île. La baie de Greenhalden. Vraiment, je trouve que toutes les îles, elles ont des noms de binouzes. Ça me fume. Ça me fume. Et coucou Sakakara. Comment que ça va? Bah écoute, ça va pas trop mal. J'avais envie de chillax un petit peu. J'ai vraiment kiffé le jeu hier. Regarde tous ces arbres. Tu t'es fait une tendinite? Ah, tu sais pas comment? Merdouille. T'as mal depuis quand? Et tu peux te faire une tendinite en dormant si tu prends une mauvaise position. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein. Hey, je suis venue ici pour abattre les arbres. Mais j'ai oublié ma hache. Je veux pas commencer à utiliser la hache de quelqu'un d'autre, ce serait étrange. J'aime la sensation que me donne la hache. Elle est robuste, ça me calme. Oh, je m'ennuie de cette hache. J'ai passé mon temps à écrire des lettres et à les jeter dans l'eau. J'écris de la poésie. Elle n'est pas très bonne. Mais je m'améliore. Avec un petit peu de chance, personne ne trouvera ces terribles poésies. Ah merde, t'as pas du Voltaren ou quelque chose comme ça chez toi? Je me souviens quand j'étais ado, je me suis fait mais vraiment des tendinites partout parce que j'ai grandi beaucoup trop vite. Enfin bref, je mettais du Voltaren dans du papier sulfu. Alors, un coup sur deux, la touche à marche, ça m'agace. J'ai pris un dafalgan, j'ai mis de la pommade au cou. Oh! J'ai trouvé une belle bagounette. Pourquoi est-ce que j'ai oublié ma... Je suis perdue sans elle. Ouais, va falloir que tu forces pas trop cette semaine, hein. Alors. Oh. Alors attends, je suis où? Là. Et là. Là. Bah non, c'est demain. C'est demain le tutu. Non, non, j'ai pas prévenu pour ce soir. Ou les gars seront pas là. Je ne pense pas. Stop. Attends, il va trop vite le bateau là. Oh. Non, non, c'est le lundi soir. Pourquoi j'arrive pas à lui parler? Ça l'a dépassé. On est déjà trop loin. Bon, bah pour le marchand, c'est pas un bon bail de mettre plein d'itinéraires. Sorry pour la prochaine fois. What? Alors, ok.
coucou la patate. Et coucou Dark, merci beaucoup pour ton resub, merci infiniment pour ton 24e mois. Merci beaucoup pour ton soutien, comment qu'il va? J'ai vu passer des photos là sur Insta. Pas mal. T'as deux nanes. Ah, t'as deux nans. J'ai compris, j'ai deux nanes. Que bah. Merci pour les deux ans. Machi, machi. Je sais pas si on va aller là-bas en vrai. On va retourner là-bas sur. Mais ouais, mais ça avait l'air trop bien. Ça avait l'air trop bien les jours de boxe. Vraiment. C'est quoi, c'est toi qui as monté le ring et tout, si j'ai bien compris, non? Ouais. Et du coup, quand c'est comme ça, vous pouvez mater le spectacle gratos, c'est ça? Ah, oh, c'est cool. Pour le peu que c'est des trucs qui t'intéressent, quoi. Oh! Un message dans une bouteille. Ce serait pas de la poésie nulle. J'ai même mangé au resto avec les deux boxeurs. Trop bien. Ils sont sympas? Y a pas eu trop de... Y a pas eu trop de casse. C'est impressionnant des fois, je trouve, quand tu vois les coups qui se prennent dans la gueule, là. Que c'est lui qui va m'apprendre du coup. Bien vite, c'est ce que j'appelle une tempête. Personne ne laisse jamais son ami se faire frapper par la foudre, mais je crois que tu devrais essayer. T'as la lanterne, ça va te protéger. Il y aura des étincelles ou l'éclair frappera. Cours vers elle. J'allais oublier, as-tu des bouteilles vides? Si tu te fais frapper par la foudre avec une bouteille vide, tu peux capturer l'éclair dans la bouteille. C'est pas fou ça? Un éclair en bouteille est une ressource bien utile. Pour commencer, choisis quelques... Voici quelques bouteilles. Mais ne t'inquiète pas, c'est facile d'en trouver. Prépare-toi à l'aventure. Il y a eu des amateurs un peu sonnés, mais pas de casse, ok. Mon jeu du love... Ah ouais? Ah, je savais pas que tu connaissais ce jeu-là. Ah, il a faim. Attends, pousse. Oh là là! Ah d'accord. Ah d'accord. Wouah! C'est trop stylax! Ok! Ok! C'est trop bien! Vite! Ne quittez pas, j'arrive là. Bah pour l'instant j'aime bien, je suis à un peu plus de 2 heures de jeu. Et je trouve ça trop cool. Comme je disais, ça va être... Oh non, le chat! Ça va être totalement le jeu du lundi soir. Sa petite session avant le tut-tulu. Et puis là, j'avais envie, en fait. Les abonnés Netflix sont gratos. De quoi, Spiritfarer? Comment ça? Ah bon? Attends, j'ai Netflix, je l'ai pas eu gratos. Enfin, je l'ai eu gratos, mais pas par Netflix du tout. Ah, j'ai jamais testé les jeux vidéo du store Netflix. J'ai vu, ouais, qu'il y a quelques mois, ils avaient sorti un truc, mais... Oh, je vais pouvoir craft un nouveau truc. Trop bien. Ok. Je vais pouvoir craft un nouveau bâtiment. Je me demandais si tu serais assez résistant. Tu as donné une de ces frousses à mon vieil oncle là-dessus. À ton vieil oncle là-dessus. As-tu entendu ce grondement? Quelle aventure! C'était trop chouette lorsque tu capturais les éclairs partout sur le bateau. Merci d'être une capitaine de rêve.
Les deux Stranger Things, ok. Et eh ben écoute, je regarderai ça. Mais c'est pas un truc où t'es censé jouer depuis ton PC, du coup, normalement? Enfin, depuis ta télé? Le jardin? Ah, le champ. Oh, buddy. Attends. Non, le champ, je l'ai déjà fait. C'est le jardin qu'il me faut maintenant. Entre pas. Ta-ta-ta! iPad, iPhone, ok. Faire des navets. Et coucou Crocro! Comment que ça va-t-il bien? Ah, il suffit de mettre Netflix. Ah bah oui, je suis con. Je l'ai sur le PC en plus. Ok, je regarderai. Oh, t'as cassé mon groove, Dark. Moi qui étais si contente que les devs m'aient filé une clé, en fait, j'avais pas besoin que les devs me filent une clé du coup. Je me sentais famous. Je me sentais tellement dans la famousitude. Famous quand même. Bon, ça va. Ça a été ta journée, Crocro? J'ai sonné, faut se réveiller, les gars. Allez, allez. Oh, bah merde alors. Bon, qu'est-ce qui se passe? Mon dieu, comme le paysage est beau ici, la mer, le soleil, on me voit pas trop, hein. La brise sur ma peau, c'est parfait. Je suis heureux d'être à bord de ce bateau. Avec toi, ma nièce. J'aimerais que ta tante vive te voie en ce moment. Dirigeant ton propre bateau, aidant les esprits errants, ça réchauffe vraiment le cœur. Je suis content que tu m'aies récupéré sur cette île. J'essaierai d'être le passager le moins embarrassant du bateau. Sauf pour la nourriture, je n'arrêterai jamais de demander de délicieux plats. Ou à l'autre? Allez, bon up. Une collation sera appréciée en ce moment. Un câlin? Ça me fait mal au cœur. Ils veulent pas de mes câlins. J'ai des douleurs. Ça ressemble à ce que j'ai déjà eu par le passé. Ah merde. J'espère que ça va passer. Courage, Crocro, courage. Allez, on a récupéré les deux orbes. Pendant des années, j'ai eu des... Non, non, c'était dans ma tête. Je peux concevoir et comprendre que c'est totalement chiant et même très frustrant. Oh ouais, je saute haut! Oh là là! Incroyable! Ouais, déjà, s'il n'y a rien, c'est rassurant, c'est sûr. Alors. Ah ah! Tu as réussi! Bien joué! Tu as réussi à monter. J'ai menti plutôt. C'est pas si chouette ici là-haut. Mais comme t'es là, ça devrait s'améliorer. J'ai pas de carte de membre pour toi, mais tu seras un membre honoraire de la gang d'en haut. Je te montrerai bien la poignée de main secrète, mais je sais pas à quoi tes mains ont touché. Très bien. Je viens d'avoir un bug de l'écriture à démouer. Oh, là-haut, il y a un truc. Ah d'accord, c'est lock. Oui, jeune personnel. Dois-je comprendre que tu es occupé? Bien sûr, tu es occupé. Attends une seconde. Tu n'as pas une cuisine entièrement équipée? Reviens lorsque ce sera le cas. J'ai toute une offre pour toi. Comment ça? Je vais avoir d'autres trucs dans ma cuisine?
Ah, j'ai accès à un pan de l'île où je n'avais pas accès. Oh, c'est un nouveau copain? Oh! Tu m'as donné une de ces frousses. Ce chat. Il me dit quelque chose. La faute d'île? Est-ce que c'est toi? Oh oui, c'est toi. Toujours aussi soyeuse, hein. Alors ça veut dire que... Stella? C'est toi? Quelle fantastique tournure que prennent les événements. Et est-ce que c'est ton bateau là-bas en mer? Je vois, tu es venu me sauver encore. Mais attends, pas si vite. Cette fois, c'est moi qui enseigne. Tu peux compter sur moi. Allons-y alors. Nous avons quelques leçons à réviser. Oh, mais j'ai déjà un nouveau pote? Ouais, je tombais. Oh, je suis choquée! Je viens de récupérer Jean-Michel Crapaud. Ah! Alors, vendre. Qu'est-ce que c'est? Fil de lin, non. Acheter. Du lin. Ça, je crois que faut que j'en prenne beaucoup de lin. Me rends pas compte. Fantastique, si tu as tout ce dont tu as besoin, je vais y aller. Reste aussi longtemps que tu veux, nous rejoindrons. Nous, ok. Je me casse. Ouh, je vais déjà avoir un troisième copain. Je sais pas trop combien de personnes tu peux avoir sur le bataille au final. Alors, c'est Kiki. C'est quelqu'un que je connais pas, ça c'est sûr. Par ici, mon ami. Attends, qu'est-ce que ça a l'air d'être comme ça? On dirait un épouvantail, le truc, il est comme ça. Oh, Stella. Où cette terre, le grand espace? Oui, je sens que je pourrais croître ici. Regarde-moi, je fleuris déjà. Mais c'est pas un animal du tout. Oh là! Ah si, c'est un serpent! Oh, sortie de ma chrysalide. Quel sentiment, merci Stella. Mais lol! Il est trop bizarre. Tu avais déjà pensé, Stella? Tu as le pouce aussi vert que ton chapeau. Ce bateau deviendra ba bientôt une douillette ferme flottante. N'oublie pas d'arroser les plantes de temps en temps. Mais ne compte pas sur moi pour ça. Hein. Ma connaissance du jardinage est aussi faible que l'était l'empathie de mon père. Tu devrais trouver de meilleurs mentors que moi. Ah, est-ce que lui, par hasard... Oh, que je suis bête! J'allais te réprimander pour manque de verdure sur le bateau, mais ma foi, tu as déjà un magnifique jardin. Oui, je sens que je serai une excellente élève, celle-là. Très bien, alors nous sommes prêtes pour débuter la première leçon. Assure-toi d'avoir... Assure-toi d'abord qu'il y ait des graines sur ce lopin de terre, elles seront importantes. Ah, ça y est. Pour notre première leçon, nous débuterons avec quelque chose que je suis assez excitée de partager. Ce monde obéit à d'étranges règles, comme tu l'as probablement remarqué, mais toujours prêcher l'amour envers tous les êtres vivants. Le jardin est le réceptacle de notre amour, un miroir que l'on se tend à soi-même, tu vois. Ça semble encore plus vrai aujourd'hui. Lorsque j'étais seule sur mon île, je chantais pour les fleurs, et comme je le croyais, elles ont poussé avec encore plus de vigueur. Au bout de quelques essais, j'ai réussi à écrire une petite chanson. Les plantes semblent y réagir particulièrement bien. J'aimerais mettre à l'épreuve avec toi cette observation. Va dans le jardin et essaie de jouer un morceau pour tes plantes. Ah ouais? Ok. Et coucou, Anno! Comment que ça va? Ah, attends, je vais pas jouer grand chose là. Je vais faire du kawa. Oh, du lin, j'en avais tellement. C'est dur. Ah non, attends, c'est le champ, le jardin, c'est là-haut. Bah écoute, hier, ouais, j'ai fait grandir le rabifio hier, mais là, j'ai surtout récupéré de nouveaux... Alors, il y a mon oncle,
Et là, je viens de récupérer un serpent qui est glitché. Il y a des problèmes visiblement. Comment je joue de la guitare? Y pour jouer de la guitare. Ah, maintenir Y. Okay. Oh putain. Ah oui, pour faire pousser les plantes, d'accord, très bien. Oui, mais attends, ça pousse genre vraiment quoi? Ah, donc j'ai besoin d'une ressource, genre dans 2 secondes, je peux faire ça. D'accord. Très bien. Bah, c'est bon, ça va. Tu veux comme les plantes se balancent et poussent lorsqu'on les divertit, n'est-ce pas fabuleux? Comme je le suspectais, les émotions dans ce monde se manifestent plus vivement. Eh bien, je vais m'assurer de faire connaître au monde cette découverte fascinante. Et qui sait, les autres passagers savent peut-être aussi jouer de la musique. Ils pourraient nous aider si leur moral est bon. D'ailleurs, dans l'agitation des derniers jours, j'ai oublié quelque chose. Voici, c'est pour toi. Cette pièce étrange m'a agacée dès mon arrivée ici. Soulagé que ce ne soit pas encore une de ses allergies au pollen. Allez. Eh ben écoute, très bien. Tu as bien travaillé. Nous avons maintenant un vrai bateau. Tu devrais désormais prendre soin de ces nouveaux passagers. Ce sera eux qui testeront ta patience, pas moi. Mais avant tout, j'ai quelque chose à te demander. Tu as sûrement remarqué que nous dormons dans la maison d'invités, et c'est pas idéal. Et surtout, depuis que c'est bondé. Écoute, je ne me plains pas. Tu as été extraordinaire et ce serait terriblement impoli de te blâmer pour quoi que ce soit. Mais je crois qu'il est temps d'avoir mon propre espace. Une belle petite maison sans prétention, mais sophistiquée, douillette. Un espace où lire, me reposer loin du tumulte du pont. Étrangement, j'imagine quelque chose qui rappelle les Alpes. Tu vois, même moi, je peux être nostalgique parfois. Je ne t'embêterai pas trop à ce sujet, mais je serais ravie si tu construisais cette maison pour moi. Ok. Qu'est-ce qu'il faut pour faire son refuge à Gwen? Eh bah, let's go. Attends, parce que du coup, par contre, j'aimerais bien... Faut que ça move un peu, là. J'aimerais bien que ça... Ah non, je peux vraiment pas. Okay. Ça, la cuisine, elle devrait pouvoir aller là. Tu peux jouer la musique autant que tu veux. Bah, ça a l'air, hein. Là, j'ai joué jusqu'à ce que ce soit comment dire? Jusqu'à ce que les navets ils aient poussé. Donc à mon avis, c'est ok, hein. Cette cabine est géniale. Ça fait des miracles. Une chambre à soi. Est-ce qu'elle te rappelle mon ancien cando de la rue Waverly? Probablement le seul endroit où j'ai pu trouver la paix et le silence. Merci mon ami. Écoute, elle est contente. Ah, mais à la fin. Elle a plus faim. J'ai rien à faire! J'ai un surplus d'énergie! Il faut que je m'occupe les mains! Pourrais-tu m'accorder une faveur?
Je sais que tu as toujours été ma nièce préférée, n'est-ce pas? Je crois avoir besoin d'un lieu où canaliser toute cette énergie. Une scierie, oui. Il ne me manque que quelques composants. Les matériaux que tu trouveras dans les îles avoisinantes. Je compte sur toi pour m'aider. Je suis sûre que tu ne veux pas que ton vieil oncle dorme sur le pont, n'est-ce pas? Et ils me donnent tous des quêtes en même temps. Stella, je ne voulais pas te déranger avec ça, mais depuis quelques semaines, je fais d'étranges rêves. Je rêve à un serpent géant, à des récifs menaçants, à des fruits pourris. Super les rêves. Et depuis que j'ai rejoint ton équipage et toi, et bah, ils sont de plus en plus clairs. Je crois que c'est l'air du large ou peut-être les énergies mystiques de la lanternelle. En tout cas, je suis maintenant sûre que mes rêves sont plus des visions. Et je crois qu'elles viennent de notre connaissance commune. J'ai regardé la carte dans ta cabine. Mes yeux étaient toujours attirés sur le même point. Je te l'ai indiqué. Je crois que nous devrions aller là-bas. Où c'est qui veut que j'aille? Là? Un dragon de quartz? Ouais, c'est quoi ce truc? Attends, par contre, il veut que j'aille où, Jean-Michel? Attends. On va se faire. Tac. 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 Ah, je peux pas faire plus, ok. C'est parti. Bah oui, il fait nuit, ça s'est arrêté. Loul. Attends, on va regarder. Normalement, je pense que je peux jouer de façon illimitée. Je reste appuyé. Là, la carotte, elle sort de terre. Hein. Enfin, je viens de la planter. Il y a la terre qui gigote. Ah, mais il y a le chat qui chante. Regarde, il y a la carotte qui pousse. Ça a l'air de marcher sur le navet d'à côté aussi. Oula, j'ai fait une fausse note. Ah, ça marche sur tous? Ah, ça c'est cool. Ça commence par la carotte où je suis, après ça va sur le navet d'à côté, et après sur le navet d'à côté encore. Et là, je peux tout récolter du coup. Ça doit faire partie des activités dont le cerf parlait. Ouais. Je pense qu'à un moment, je vais avoir un musicien peut-être sur le bateau. Pour l'instant, j'en ai pas. Il y a l'oncle qui veut faire de la scierie, là. Le serpent, lui, va être lié aux plantes, je pense. Est-ce que ça marche dans le jardin? C'est ça que je voulais essayer, ou est-ce que c'est... Enfin... Est-ce que c'est que dans le champ? Non. Ok, il n'y a pas dans le... Il n'y a que de la musique pour les carottes. Pour le reste, ça ne marche pas. Mm-hmm.
Attends, faut que je réveille les loulous là. Elle va très bien. C'est des rêves inquiétants. Faire un câlin, ça va le rassurer. Est-ce que ça mange un serpent, du poisson? Oh non. Non, non, non. Je ne mange que des pas de produits animaux. Ah! Arrête de me parler, Jacqueline, je suis en train de rater le truc. Non! Rentre pas là! Ok, donc le serpent est végétarien. Le serpent est végétarien. C'est rigolo ça, tiens. Mais ça se tient du coup. C'est Jean-Michel le plantage de légumes. C'est un peu à côté là. Ouais. Alors... Et bah... Fruits pochés, tiens. Oh ma chère, tu as trouvé mon point faible. Ok, il aime les desserts. Bien. Hop là. Attends. Ça a tapé, ça a tapé. Il y avait une autre boîte. Non. C'est tout. Oh, il a faim. Tiens. Ah, il aime tout. Ah oui, alors lui, tout va bien en fait. Ok. Ah, mes chakras ne sont pas alignés. D'accord. Oh bah, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de custom la maison que je viens de faire? Ah, les méduses. Allez, c'est parti. On peut peut-être aller un peu... Ah, mais il n'y a rien de droit. Merdouille. J'ai rien de droit. Ah si. J'ai des fenêtres. Super. Faut des lures pour retourner chez le requin et avoir d'autres crafts. Non, non, non.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu commences à être bonne pour attaquer les méduses. Bah, je vais choper le double saut. Du coup, je t'avoue que ça aide. Elle est où la cuisine? Et tu veux, toi? Il semble avoir plusieurs nouveaux visages à bord. Je l'apprécie. Comprends-moi bien, mais je ne veux pas que tu oublies ton vieil oncle Atul. Tu me connais, je suis Monsieur Populaire. Je m'entends avec tout le monde, tout le temps, n'importe où. Mais je ne pensais pas devoir me faire de nouveaux amis de mon âge. Tu n'as pas à t'inquiéter, tout va bien aller. Je suis désolée d'avoir soulevé le sujet. Je vais aller m'asseoir, en espérant ne pas attraper trop de mouches. Alors, ça fait quoi les carottes? Cette tête qui fait. Trop expressif la grenouille. J'aime trop. Où qu'on est? Ok, on va aux méduses. On aurait pu aller là avant de faire la méduse. Bon, c'est pas grave, on fera tac, tac, tac. Après, il faudra qu'on aille là au dragon de quartz. Je sais pas ce que c'est. Ah, il a pimpé ma canne à pêche aussi. Ça, c'est trop bien. C'est faux. Petite bouteille de lueur. Qu'est-ce que c'est ça? Tu peux choper d'autres poissons. Mais pas là, apparemment. Ah, qu'est-ce qu'il a? Je viens de pêcher une bouteille à la mer. Ce n'est pas un déchet. Il pourrait y avoir n'importe quoi là-dedans. Une minute. Un minuscule bateau, un vieux vin, un bébé crabe. Et oui, les déchets aussi. Vas-y, débouche là. Ouais, je vais voir après. D'abord, les médusas. Vu qu'on est revenu par chez le marchand. Non, 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 elle était là, je vais rater les deux. Non, non, je vais avoir les deux. Oh là là, incroyable. Oh, viens là, viens là, viens là, viens là. Il y en avait tellement bas, pourquoi je me fais chier? Avec le double saut, c'est quand même plus simple, hein. La verte en bas, je l'ai. Je vais pas m'en dire, c'est totalement les jaunes qui m'intéressent pour l'instant, mais je sais pas où il est mon perso. Alors, ça donne quoi les carottes? Des légumes grillés. Alors, attends, il voulait que j'ouvre les bouteilles. Le lieu est indiqué sur la carte, d'accord. Oh, c'est une carte au trésor? Un poème.
Un bûcheron sans hache pleure et sanglote, mais l'arbre ne sent pas la blessure. Je vieillis, dit-il en riant. Hein? Oh, trop bien! Des lueurs! Ok, cool! Ça, c'est le bûcheron malheureux qu'on a rencontré juste avant. Bah, du coup, on va se faire ça. Ça. Et ça. Qu'est-ce qui me manque d'ailleurs pour faire la scierie? 10 scieries. Je n'ai pas de lin, d'accord. Enfin, de bobines de lin. On fait des bobines de lin? Je ne sais pas. Ouais, c'est des plantes. Les graines de lin, je les ai plantées. Mais ils veulent que j'en fasse... Tu vois, elles sont toutes là. Mais ils veulent que j'en fasse des bobines après. Que si je dis pas de bêtises... Il est le lin. J'en ai quelques-uns. Merde. Tu vois, fibre de lin. Il me faut un métier à tisser. Ouais, s'ils veulent tous une maison, par contre, vraiment, le bateau va devenir énorme. Hein. Pas combien on peut avoir de petits potes. Pour l'instant, c'est que des gens de sa famille, c'est bizarre. Oh, c'est bizarre. Du coup, j'entends bien que ça va être un peu triste à la fin, quoi. Je suppose qu'on va s'habituer à eux et tout, on va devenir vraiment potes et tout et tout. Hop. Plein des bouteilles vides. Modification d'humeur. Et des planches. Ah oui, d'accord. Ah! Attends, j'avais pas fait gaffe. J'ai pensé à Père dernièrement. Lorsqu'il est parti avec Doug, je n'ai rien ressenti. Pas de tristesse, pas de haine. Pas de soulagement, rien. Je ne comptais pas vraiment... Il ne comptait pas vraiment pour moi. Mais pour toi, oui, tu as pleuré durant 3 jours dans la chambre de Tante Pétunia. Je t'ai offert les 3 sœurs de Tchekov et le grand pull que je venais tout juste de tricoter. Maman était consternée. Mais tu t'es sentie mieux. Je me suis longtemps demandé pourquoi tu étais si triste. Et la meilleure explication que... C'est que tu étais triste à ma place. Tu ressentais ce que j'étais incapable de ressentir. Et elle, faire du shopping pour trouver des fibres... D'accord. Ça va pas bien là. Trop mignon quand on fait des câlins. J'ai pas fait de câlin en serpent encore. Faudrait que je fasse du café. Je n'ai plus de café. Petit café prêt. Hop là. Allez, les crevettes. J'ai fait un câlin serpent une fois? Je croyais qu'il m'avait friendzonné.
Non, les chakras. Ah, je me rappelle pas. Merdouille. Alors là, on est en train de retourner en bas. Allez, petit matin. Je crois qu'il y a encore 3 ou 4 améliorations de la taille du bateau de dispo. Ça va être insane. Ça va être une ville, le bazar. On est où? Ok, on arrive aux déchets. Allez, debout! Du lin, du lin, du lin. Vas-y, du maïs. On va refaire du pop-corn. Ah! Alors, avant, on va s'occuper de ça. Hop là! Ils attendent tous le petit-déj. J'arrive, j'arrive. Allez vite, le deuxième il est pas loin. Oh, un cocktail de crevettes, stylé. Un navet, ça va peut-être nous faire une soupe. Il a faim. Et bah, tiens. Il veut un câlin. Non. Il veut pas de câlin. Ah! Voilà! Le câlin! N'apprécie pas le tapage d'Atule. Atule fait trop de bruit! Bah alors? As-tu le mauvais voisin, quoi? Bien. Alors, qu'est-ce qu'on replante? Bah, des carottes. Des carottes ou des carottes? Des carottes. Coucou Maro! Comment que ça va-t-il bien? On lui besoin une bonne journée! Mais qu'est-ce qu'il fait à dégommer le truc de tantine là? Week-end à m'isoler dans le lit, moral pas. Oh non, bah lourd. Ça va un petit peu mieux? Bah écoute, moi, week-end pas ouf niveau sommeil. J'arrive pas à dormir. J'ai galère à m'endormir. Chaki Pu me réveille tous les matins à 7h du mat et il arrête pas de gueuler pour que je me lève. Ça me gonfle. Donc bon, ça va que j'ai une petite semaine. Enfin, je travaille que 3 jours parce que je suis éclatée. Je suis crevée. Mais sinon, sinon ça va. Et bah pose-toi, c'est avec plaisir. Ah, je peux retourner sur les îles, d'accord. Alors, on va aller voir lui. Et après, je vais aller voir le dragon calcaire, parce que je sais pas ce que c'est. Bah écoute, par rapport à hier, enfin, je trouve qu'on a bien avancé, entre guillemets, dans le sens où on a construit le champ. On a eu le serpent et lui, là.
Et la renouille? Une collation serait apaisée en ce moment. La faim? J'ai déjà donné à manger. Que tu veux? C'est absolument exquis. Oh! Oh! Elle aime la cuisine raffinée. Ah! De mémoire, le jeu te donne une impression de progression. Bah oui, oui. T'avances au fur et à mesure. C'est cool. C'est cool. Est-ce que tu as faim? D'accord. T'as pas faim. Moi, je te demande pas si t'as faim. T'as toujours faim. Ah! Comment ça? Il a pas faim. Ouais, non, non. C'est... Franchement, c'est ok. Puis, de toute façon, je suis au début du jeu. J'ai encore tout à faire. Là, j'ai débloqué les... J'ai débloqué les éclairs en bouteille. J'ai débloqué le double saut. Comment ça, je peux améliorer? Oh! Oh, je savais pas! Oh, mais j'avais pas vu ça! D'accord! Bah, puis en plus, je peux améliorer! J'avais jamais vu! Et coucou à quoi? Comment que ça va-t-il bien? Alors le requin là, est-ce que je peux t'acheter des trucs? J'ai entendu dire qu'un employé de l'usine de popcorn vient d'être envoyé. Il travaillait bien, mais il lui manquait un grain. Très bien. Je peux pas. Ça, je peux pas. Non, je peux toujours pas. Je peux toujours rien faire. Est-ce que tu as passé une bonne journée à quoi? Je peux pas acheter. Faut que j'ai des planches avant. Faut que je débloque la scierie. Moi, je me casse. Et pourquoi t'as pas de... Pourquoi t'as plus d'icône? T'as plus d'icône modo, t'as plus d'icône sub, t'as plus rien? Qui es-tu? T'es un fake... T'es un fake à quoi? Ah, te revoilà. Ça y est. C'est bon, c'est le vrai. C'est bon. Allez. Vendre. J'ai cru que t'étais une imitation pendant un moment. J'ai dit, ah non. Hein. Comment ça? Oh. Vas-y, je sais pas ce que c'est. Oh, mais attends, je suis à 4000. Dépense pas plus, Jacqueline. Je vais pouvoir aller acheter un autre truc. Ah non, mais... On a déjà licencié l'original. Après, il y a celui-là qui est venu. Si maintenant, il y a un fake... Un fake de lui, on va pas s'en sortir. Hein. Ça devient beaucoup trop compliqué. Oh! Allez! Ok, je peux littéralement construire deux trucs. Ah! J'ai déjà full amélioré le battle. C'est bon? Let's go! Ça me bute. Et bah allez, je viens te mettre. Oh, la cuisine, tu vas aller là. Et toi, tu vas te mettre là. La cuisine... Oh mais c'est chiant, elle. Je peux rien mettre là. Oh. Oh, comme c'est nul. Et bah comme ça. Voilà. Alors, où qu'on va maintenant? Ah si, j'ai dit le dragon. Voilà. Le dragon de quartz. Je lui ai mis en plein dans l'œil.
Ah ouais, du coup, on a des améliorations. Auxquelles j'ai pu mettre des tapisseries au mur. Ok. T'as avancé sur ton jeu de ces morts à quoi? Avansgord? Manque sérieusement de gros outils ici. Jusqu'à 2 heures hier. Ok. Pensez à une série peut-être. Ouais, ça fera l'affaire. Bah ouais, mais j'ai toujours pas de quoi la craft de la série. Oh, mais... Et coucou Steph, merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue à Toyowa. J'ai déjà plus que j'ai dit ce qu'il fallait. Pour la scierie. Ah oui, il me faut du fil de lin. Ah oui, donc là, avec le truc du quartz, je vais peut-être pouvoir faire le métier à tisser, ce qui va me débloquer la scierie. I hope. C'était donc ça. Hop là. Je chope plus des trucs compliqués. Quand il m'a fait l'amélioration, là, tonton Grenouille. J'en ai eu un peu, mais là, j'en ai plus. Faire choper du hareng et des conneries comme ça. Un vase luxueux. Ok. Normalement, je passe pas. Ah, si! Ah, ça, c'est un truc difficile. Enfin, entre guillemets. Le cocktail de crevettes! J'avais découvert d'un nouvel event. Pas du tout ce que c'est. Le dragon de quartz. La mare. Oh, ça l'intéresse. Oh là! Il pète un câble. Qu'est-ce qui lui arrive? J'ai cru que ça y était, le dragon. Oh putain! Je suppose qu'il était inévitable qu'il soit ici. Je suis constamment, toujours, même dans ce monde. Coucou, Chardiel! Comment que ça va? Nos destinées sont emmêlées, non? Il ne reste que pour tout le mal. Il reste pour tout le mal qu'il m'a causé. Il semble bien souffrant. Et ben, naze aussi. J'ai passé un week-end sans sommeil. Le sommeil, il voulait pas venir. C'est nul. Tu ne trouves pas. Avoir des week-ends de 3-4 jours et pas dormir et reprendre le boulot éclaté, eh ben c'est nul. Les pierres sur son dos suintent de corruption. Il faudra peut-être que tu l'enlèves pour le soulager. Vas-y, mine Stella. Fais ce que tu sais faire de mieux. Mine-lui la gueule, Stella. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est comme ça que je récupère. D'accord. Oh merde! Vite! Mais moi je peux pas monter. C'est Elliot! Elliot le dragon! Encore? Oula. Il nuit la tronche, Stella! Boum!
J'espère que j'aurai assez pour construire mon métier à tisser. Oh, le double saut, c'est tellement la vie! Encore? Oh le! Il est bâti! Bye bye! Oh non, il est là! Incroyable! Oh, il va mieux! Il semble soulagé, n'est-ce pas? Je me demande ce que ça signifie. Si nous croisons ce dragon, je crois qu'il faudrait l'aider. Peu importe comment il se sent, je me sens par rapport à lui. Mais pour le moment, j'ai besoin d'un petit peu de temps pour reprendre mes esprits. Merci pour tout, Stella. Oh non! Pleure pas! Tu veux pas un câlin? À ta faim? Tiens. Ah! Tiens, du pop-corn. Voilà. Paf le dragon. Alors, est-ce que maintenant je peux construire? Oui. Mon petit atelier. Let's go. Ah parfait. Qu'est-ce qu'il vous fait? Oh d'accord. Eh vraiment, il faut tout craft quoi, c'est ouf. C'est vachement bien fait. Je me démerde bien. J'ai la scierie juste derrière. Let's go! Ah, est-ce qu'il en fallait pas 40? Non, c'est bon. Incroyable. Allez. Ah merde, tout le monde dort. Normalement, ça va faire plaisir et à la couze et à l'oncle. Et bonsoir, petit marin d'eau douce. Comment que ça va, Votline? As-tu passé une bonne journée? À l'homme heureux. Il a sa scierie. Oh, c'est extraordinaire. Merci pour ton aide, Stella. Cette scierie est si grande. Quelle beauté. Y a qu'un problème. Ne te fâche pas, mais j'ai pas d'argent pour te rembourser. Bah, écoute, ça va très bien. Merci. J'imagine que c'est ce qu'on appelle une faveur. T'as vu ce que j'ai fait, hein? Merci encore, petite. Alors, comment ça marche, ça? Ah, ça a tout fait, d'accord. Mais tu fais tout de travers. Laisse-moi te donner un petit coup de main. Lorsque tu coupes des bûches, tu dois t'assurer de prendre les bonnes mesures. Et puis tu coupes. Tu mesures deux fois, puis tu coupes. Tu n'as qu'à garder ta scierie droite et couper la ligne. Si tu ne travailles pas correctement, tu peux te couper le petit doigt, même le bras. Encore pire. Et un coup de vieux marteau pour la chance. Allez, et c'est là, canaille. J'ai plus de... Ah si. Ah d'accord. Ouais, si, à peu près. Hein. Oh la vache. Me dis pas que je vais faire... Oh putain, me dis pas que je vais faire 27 rondins de bois là. Perfect.
Tu as bien travaillé. Et maintenant, prête pour couper du bois comme une pro. Rappelle-toi d'être prudent avec la scierie. Et coucou Oshun! Merci beaucoup pour le raid. Pas de souci. Alors, je crois que ça fonctionne. Ouais. Shun. Oh, pardon. Pardon, je sais pas parler, excuse-moi. Tu étais sur quoi de beau? Et bonjour à toute ta commu du coup. Oh yo! Il a oublié de faire un message de raid. Oupsi. Le polo Angelus m'a dit de venir te voir, Shun. Ah, il fait de la propagande. Eh ben merci beaucoup, Dark. C'est gentil. Bah écoutez, on chill totalement sur un petit jeu. Je suis en train de découvrir Spiritfarer, un bon petit jeu du dimanche. Pas trop prise de tête. C'est parfait. C'est doux, parfait. Et coucou, Sabo, bienvenue à toi. En tout cas, merci beaucoup pour ton raid. C'est adorable. C'est toi la patate. Sur Elden Ring. Ah oui. Ah oui. Ouais, effectivement, deux salles, deux ambiances, quoi, du coup. Elden Ring un jour peut-être. En vrai, le jeu me branche beaucoup. Je le trouve hyper beau graphiquement, mais je sais que je vais casser ma tête. Hein. Je vais péter un plomb là-dessus. J'ai vu des trails de certaines personnes. J'ai vu Spiritfarer, il avait l'air de le découvrir. T'as cassé ton micro à cause du jeu? Non mais ça pourrait, hein. Moi sans déconner, je te jure, je suis pas violente hein, sur les jeux. J'aime bien quand c'est chill, tout ça. Mais vraiment, je pense que je serais capable d'éclater ma manette. En fait, rien qu'en voyant les gens sur Elden Ring, je boue de l'intérieur. Alors je me dis qu'avec une manette entre les mains, ce serait un massacre. Pour l'instant, je ne fais pas. Rappelle-toi d'être prudente avec la scierie. Déconne pas avec ces dangereuses lames. C'est pas parce que qu'il te reste un peu de bois que tu dois te couper la main. C'est fait. Ouais, ça y est, après 120 heures de jeu, Persona 5, yes! Ouh, prévois le sac de frappe, je vais tout casser. Je vais tout casser! T'as coupé tout ce bois à la scierie, c'est super! Tu abats du travail, tu acquiers de nouvelles compétences. Maintenant que tu as un petit peu de matériaux, tu pourras peut-être me construire une maison. Laisse-moi t'esquisser un plan. Écoute, c'est rien de bien raffiné. C'est aussi simple, quelques charnières par-ci, par-là, quelques clous. T'as assez de matériaux pour me construire quelque chose de bien. Je te demande pour l'équipage aussi. Il paraît que je ronfle la nuit. Et fort selon ton ami Gwen. Ah, très bien. Je vais aller manger. Et vite, pas de soucis. Bah écoute, je pense que je suis encore là pendant une heure à peu près. Je sais pas comment dire du coup. Je me suis fait reprendre Oshun. Océan. Pourquoi il m'a dit de faire comme l'océan? Ça n'a pas de sens. Au secours. Non mais je suis désolée, je suis une quiche, pardon. En tout cas, je te souhaite un bon appétit. Il a faim. Tiens. Lui, il aime tout, c'est bien. Alors, Stella, je dois te dire quelque chose. Je bute sur quelque chose depuis un moment et jusqu'à aujourd'hui, cela ne m'a paru pas si important. Prépare-toi. Tu te souviens du manoir de mes parents près du lac? Aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est pas loin d'ici. Oui, je sais. Ça me fait réfléchir à ce monde-ci. Je dois admettre qu'en fait, j'ai essayé activement de l'éviter. De toute façon, c'est de plus en plus difficile à ignorer. Plus je passe du temps ici avec toi, plus je me sens prête à affronter cette épreuve. Je n'y trouverai probablement que des regrets et de la douleur, mais ça vaut le coup. J'ai noté l'endroit sur la carte. Tu me feras signe lorsque tu seras prête. Aïe, aïe, aïe. C'est parti sur Ocean. Ah bah, Ocean, j'avais bon du coup, non? En prononciation à la base, mais depuis que tout le monde m'appelle Oshun, je commence à le préférer. D'accord. Bon, je ferai peut-être un mix entre les deux selon le jour, l'alignement des étoiles, tout ça, tout ça. Comme tu le sais, j'ai souvent faim. C'est seulement un fait. Oshun ? Ah, je peux tenter le Oshun ? Parfois, lorsque j'ai faim, j'ai très envie de choses bien précises. Ta tante Vive appelait ça mon ventre de gourmet. Mais comprends-moi bien, je suis prêt à manger quand même un petit peu tout ce que tu m'apportes, mais j'aimerais que tu fasses un effort sur Placy.
Je t'appellerai lorsque j'aurai eu envie de quelque chose en particulier. Heureusement, je ne te demanderai rien de bien compliqué. On ne sait jamais avec cet appétit. Tiens-toi prête. Ouais, bah. Et là, ma chère, ça va? Je vois que tu as bien pris soin de tes plantes, c'est bien. J'espère que mes enseignements t'ont aidé d'une façon ou d'une autre. Tu sais, j'ai déjà été un vrai petit soldat. Université de l'état de Midfield, ingénierie agricole, finissante de 1971. Les meilleures notes et un profil progressif. On m'a tout de suite engagé dans une des grosses sociétés. J'étais responsable d'une grande parcelle de terre. Oui, pouli boui, pouili pouili pouili. Faut être prête pour nourrir l'estomac sur pattes, Angelus, et je parle pas de chat qui pue. Et coucou Linette, comment que ça va si bien? Merci beaucoup pour ton raid. Bah oui, c'est le raid time. Hello. Comment vas-tu? Oh, coucou à toi. Sur quel petit jeu de gestion totalement pipou tu étais au Genshin Impact? Les zinzins de l'espace? Ah ouais? Ah non! Spaceline from the far out. Je ne connais pas. Ah, t'as fini un jeu trop bien? Jeu de farm dans l'espace? Ou rien à voir avec du farming. J'ai tellement l'habitude de le voir sur des jeux de farm, farm simulation, etc. que je me dis que c'est forcément un truc comme ça. Mais GG pour la fin du game. GG. Un peu comme Overcooked, mais dans un vaisseau. Ok. Oh, sympa. Ça peut être rigolo. Je devais maximiser la production de nos effectifs fonciers. Alors c'est ce que j'ai fait. Et crois-moi, j'ai bien fait. J'ai rempli le champ de culture transgénique. Quand les insectes sont venus, je les ai cramés avec du poisson. Et quand les sols sont devenus gris, j'y ai déversé des produits chimiques. De belles et puissantes tiges ont poussé de ces terres. Et d'abandons épis énormes à en être contre nature. Mais tout cela se cachait une maladie fantôme. J'imagine que c'était inévitable. Je rencontre le dragon alors, tôt ou tard. Le chat nous a aidés grâce aux commandes. Ah, c'est un truc interactif avec le chat? Trop bien. Bah GG. GG toi, GG le chat. GG vous. Oh mais elle est au bout de sa vie. Laisse-moi te faire un câlin. Et mange donc ça. Pas de soucis, je te souhaite bon appétit. Merci beaucoup pour ton raid en tout cas, Linette. Ni bisous. Ouais, je suppose que tu connais ce jeu-là, vu le genre de jeu que tu fais. Je pense que je ne t'apprends rien avec Spiritfarer, ça a dû être fait moult fois par chez vous. Je vais refaire du café. Tu as pas joué? Ah bon? Oh, bah écoute, j'aurais pensé que c'était un jeu fait et validé par chez toi, Linette. Oh, je suis étonnette. Au petit jour, hein, tu vas kiffer. Tu vas kiffer, mamzelle. Ah, j'ai acheté des graines mystères, c'est vrai. Cool. Ok. Alors. Oh, j'ai pas assez de planches. Diantre. Dis Siri. On ferait d'habitude. Double enfer et damnée. Je vais être très mauvaise à ça, je le sens. Hein. Couper du bois, ça va pas être mon truc. Hein. Non, je suis allée trop bas. Il était facile celui-là. Nul.
Ah oui, puis plus tu t'en sors en plus, plus ça fait... Ok, super. Plus ça fait de planches de bois. Est-ce que j'en ai assez? Construire. Oh, il m'en manque une! L'abus total! L'abus total du jeu vidéo! C'est un scandale. Ah bah voilà. Hop! Alors, construire la petite home. Ah ouais, mais il y a que des étages différents partout. Oh! Vas-y, on va mettre sa maison au-dessus de la scierie. Il va me manquer la fonderie après, des planches et du charbon. Ah mais du charbon, je sais comment on fait. Attends, parce que ça, je peux le craft aussi, du coup. Des bisous, Crocro. Passez une très bonne soirée, merci beaucoup d'être venu. Des bisous. Bon début de semaine à toi. J'espère que ça va aller. Merci, des bisous. Mais c'est parfait, petite. C'est imposant, tout cet espace pour mon petit moi. J'ai hâte de me fermer un peu les yeux. C'est très bien, merci beaucoup. Je ne l'oublierai pas. Un homme heureux. Du coup, qu'est-ce que j'ai dit? Faut que je aille cramer du bois. Attends, elle est où ma cuisine? Oh, j'ai mis trop de nouveaux trucs là, j'ai trop changé, je sais plus. Alors. Je sais pas ce que ça fait, ça. Je peux cuire les sciures de bois? Qu'est-ce que ça fait donc, des sciures de bois cuites? Ah non, c'est le soir. Alors, et on va où? Ah mais il est encore là, le mec du quartz? Hein? Ah! Ouais, non, je vais pas trahir. On va pas faire ça, Dark, on va pas faire ça. Non. Comment ça se moque en plus? C'est pas beau ce que vous faites, hein? C'est pas beau. Jamais je mets le feu chez moi. Jamais, je suis beaucoup trop bonne en cuisine. C'est pas beau! Non. Ça me tresse par contre, il y a des trous. Pas Oh! Je ne sais pas si t'as remarqué, mais je suis très fatiguée dernièrement et j'ai bien peur que ça joue sur mon moral. Je ne veux pas paraître ingrate, mais la maison d'invité, aussi jolie soit-elle, ne me convient pas vraiment. C'est bruyant et bondé. Je déteste te demander quoi que ce soit, mais pourrais-tu me trouver un petit espace privé sur le bateau? Je pense que ça m'aiderait énormément et comme ça, nous pourrions reprendre nos leçons. Mais rien de trop luxueux, hein. Seulement un endroit pour dormir et méditer. Et de la verdure luxuriante, peut-être. Ah, je serais ravie d'y trouver de la pierre naturelle. Oui, ce serait splendide. Merci encore, Stella. Ok. T'as beaucoup aimé le serpent? Elle a l'air zen. Attends, faut que je... Ça me turlupine. Ah ouais, mais ça va pas non plus, ça. J'ai pas de bébé truc à mettre là. Ah bah, elle. Attends. Si je bouge sa maison à lui. Attendez, je fais des tests. Hein. Elle est s'imbrique là. Ah, elle est s'imbrique là. Non. Ah, presque. Ah non, c'était presque bien. C'était presque bien. Prêt. Des bisous, Chardiel. Que aussi trigger que moi. Ah ouais, non mais... Ah, ça me stresse, hein.
Ça me stresse. Colle ça, toi. Mettre la cuisine là, du coup. Ah, va avoir le petit bout qui dépasse. Pas grave. Voilà. Ok, bah on va couper des bûches pendant la nuit, hein. Coucou ma quepaille. Oui, le petit bout qui dépasse. Pas de contexte, non? Poui, 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 poui! Et coucou les Didi! Comment que ça va-t-il bien? Merci infiniment pour ton reset. Merci beaucoup pour ton 34e mois. Je ne sais plus parler, au secours. Merci beaucoup, Cupine. Comment que ça va? Ton week-end se passe-t-il bien? Oh, je suis nulle! Je suis nulle. Really? I'm nulle. Oh oh! J'ai fait un 100%. Ouais, 4 planches quand même, hein, quand tu le réussis. T'attends ton petit collector? Bah oui. Il devrait arriver en début de semaine, là, s'ils te l'ont annoncé. C'est quel jour? C'est le 18, tu m'as dit, la date de sortie du jeu, non? Le même jour que Pokémon? Je vais voir si je peux me l'acheter pour Noël. Le dernier Dark Pitcher. D'ailleurs, dans la version collector, t'as un espèce de buste dégueulasse, là. J'ai bien flippé. Ouais, c'est ça, Devil in Me. À mon avis, celui-là, il va faire flipper de ouf. Hein. La thématique... Il est horrible. Ah, le buste? Ouais, ouais, il est horrible. Il dit qu'il me disait qu'elle va accueillir... Mais attends, je suis en train de faire que du perfect, là. Qu'est-ce qui se passe? Et Didi qui me dit qu'elle va accueillir des invités quand ils viennent chez elle avec ça. Oui, oui, oui. Bonne ambiance. Alors, combien j'en ai là? Des planches. 41 planches, c'est bien. Oh! Oh, mais il dort dans un bassin! C'est trop mims. Halloween tous les jours, c'est ça. Alors que j'aille rechercher du bois aussi, un de ces quatre. Je suis allée où, moi, d'ailleurs, là? Ah, vers un truc à méduse, ok. J'adore aussi, dans ce jeu, tu peux demander des câlins. Oui! J'ai vu que tu pouvais en faire au petit chat. Mais c'est chou, la petite tête qu'ils font dès que tu leur fais un câlin, c'est trop mignon. Bon, la plupart du temps, ils veulent pas de mes câlins. Ça me fait de la peine, mais... Bon, là, je commence à avoir un peu d'amplitude pour les méduses. J'ai deux vrais étages, là. Ça devrait commencer à être pas dégueu. Ah, c'est encore trop bas. Oups là. Ouais. Oh. Érythro. En vrai, je sais que je pourrais empiler les maisons pour aller choper celle du haut direct, mais ce serait pas très esthétique et... Qu'est-ce qu'il y a de pire dans un jeu comme ça que d'avoir un endroit qui n'est pas esthétique du tout? Bah, rien.
préfère galérer à farmer, mais que ce soit joli à regarder. Oh non, je suis passée entre les deux. Mais non, mais je rate tout. Tu le reçois jeudi? Let's go. Tu l'auras un jour avant sa sortie, du coup. Ok, super. Tu verrais mes champs, c'est un gros bordel. Ça me trigger, faudra que je change ça. Je sais pas comment tu fais, hein. Moi j'aurais déjà tout changé, hein. Je peux pas. C'est trop. Je crois que vraiment dans les jeux de gestion, c'est le truc où je passe le plus de temps. L'esthétisme. Oh, trop bien, il vient... Ok. Bah c'est qu'il va bien, il va faire de la musique pour que les ponts poussent. Qu'est-ce qu'il a encore, lui? Tu me connais? Je ne dis jamais non à une petite collation. Du salé, du beurre, de la saveur. Oh mon dieu, tu sais ce qui serait parfait? Un bon vieux sac de pop-corn juste pour moi. Allez, chauffe-moi un peu de maïs, tiens. Mais reviens, j'en ai. Oui, c'est une Jacqueline, Stella. Merde, j'ai totalement skip. Je viens d'avoir une erreur 404, excusez-moi. Ses enfants lui manquent. Ils s'endorment sur moi. Merci pour le popcorn, je regarderai dans la cuisine. Elle est correcte, rien de spécial. Ça me rappelle ma première cuisine dans mon terrible appartement. Je ne sais pas ce que je faisais là. Je me foutais tellement des épices. Pas assez de sel. En tout cas, voici un petit quelque chose pour ajouter de la joie à tout ce bordel. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas un support à épices. Tu auras... En fait, besoin de travailler pour l'avoir, mais s'en vaudra la peine. Tu n'as qu'à améliorer ta cuisine. Oh, d'accord. Ta cuisine sera parfaite en rien de temps. Ok. Amélioration de la cuisine. Après, il y a les gros cailloux que tu peux pas encore virer, c'est chiant. Ah. La sûre, ça me fait du charbon. Cool. J'ai vraiment plus besoin. Ok. Je vais faire du popcorn. Le bus pour recevoir, ça va être drôle. M'étonne. Ça va être drôle pour toi, probablement, pour les gens qui viennent chez toi, je sais pas. Améliorer. La cuisine. Ah! Bah, je peux pas. Il me faut du tissu de lin. J'aimerais bien un petit amuse-bouche. Non. Voilà. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il veut un câlin. Il veut un câlin. Le pop-corn. Je vais refaire un cocktail de crevettes. Bah oui, j'ai pas de lin. Je n'ai plus de lin. Alors, the new destination. Ici. Il y a une petite île là. Et de l'autre? Quel autre? Qu'est-ce qu'il dit, Panzani? Quel autre? Ah, du lin l'autre. Oh putain. Non. Bah non. Mais non,
m'arrêter. Ah. Oh. Jean-Michel, jeu de mollet. Oui. Ah voilà, c'est ça les trucs difficiles. La canne à pêche, elle devient rouge. Ça m'a rappelé FF15 la première fois que c'est devenu rouge. Ma ligne a cassé. Ça a fait ressurgir un vieux traumatisme. Oui, il y a de la pêche dans FF15 et spoil. La pêche dans FF15, elle est aussi nulle à chier que tout le reste du jeu. Je dis ça en toute objectivité, hein, bien entendu. Vous me connaissez. Pas... Si, si, comme dans tous les bons jeux, FF15, c'est pas transcendant non plus. Non, mais fin, de façon générale, je t'avoue que la pêche dans les jeux, c'est pas ce qui me hype le plus, hein, vraiment. Alker. Mouton. C'est vrai qu'il y a des jeux genre pêcheur de l'extrême simulator. Je sais pas. Je comprends pas non plus. Après, il en faut pour tous les goûts. Hein. Je critique pas, mais c'est vrai que ouais. J'ai beaucoup de mal avec les jeux de pêche. Bass Fishing 2000. Tsoin, tsoin, tsoin. Mais pourquoi pas? Après, je me dis, c'est des jeux de chill en vrai. Hein. Why not? T'as tellement de jeux de simulateur de tout. Enfin. Pourquoi pas de pêche? Après tout. Resident Fishing Simulator. Quelle horreur. Et c'est quoi, tu pêches des zombies qui viennent te niaquer le mulet? Ce serait quoi le crossover Quel enfer. Et quand t'as pas de bol, tu pêches un Monsieur X. Au secours. La Villa Maggiore. Alors attends, elle va être où ma petite bottles? Nous y sommes. C'est curieux, je suis excitée et anxieuse à la fois. Je commence même à le regretter, comme si... Peu importe, allons-y. Ah oui, mais n'aie pas trop hâte, Lady Di, parce que t'as dit que tu m'attendais pour le faire. Moi, je vais pas pouvoir l'acheter tout de suite maintenant, du coup. Ça m'embête. Ça m'embête, je vais te faire poireauter, là, c'est pas drôle. Game over. Léon! Help me! Léon! Elle me fait péter un plomb, là, Jacqueline. Ah, je l'adore. Hein. Je préfère qu'elle se fasse bouffer le mulet 15 fois, mais je l'adore. Depuis combien de temps nous sommes pas venus ici ensemble, Stella? On dirait bien que Jerry a pris soin des lieux. Il a toujours été le meilleur jardinier parmi nous. Maman n'est pas revenue à la maison depuis la mort de père. Merde. Je suis bien plus émotive que je ne l'aurais cru. J'ai tant aimé cette maison. Autant que je l'ai haï, j'imagine. Écoute, je ne crois pas que nous devrions y rentrer. Même avec toi. C'est parce que... Non, je ne peux pas. Vas-y sans moi, je t'attendrai ici. Voici la clé. Oh, et Stella, si tu tombes sur ma vieille boîte à musique, tu me la rapportes, hein. Merci beaucoup. Rappelle-toi, cette maison a toujours été un vrai labyrinthe. Ah, super. Si tu te perds, suis la lumière. Bonne chance là-dedans. Je t'attendrai à l'extérieur. J'ai tellement de jeux à faire, donc ça me laisse le temps. Ok. Bon, bah si ça t'arrange. Je te dis, j'essaierai de le prendre à Noël.
J'espère vraiment qu'elle sera muette dans le remake. Ah mais attends, non, Lady Di, je pensais à un truc. Attends, c'est la version PS5 que t'as pris, Lady Di, c'est ça? Parce que moi, j'ai pas de compte PS. Je sais pas si je peux jouer avec quelqu'un parce que j'ai mis internet sur, sur ma PlayStation, mais il veut rien que je fasse. Il veut rien que je fasse vu que j'ai pas pris leur abonnement de merde, là. Je vois pas l'intérieur de la maison. Non, non, mais... Non, c'est pas du tout le propos, Lady Di. Pas du tout. T'inquiète pas, c'est pas ça du tout. Je peux me le payer, c'est pas... Mon zinc, Nisa. Il y a un truc, là. Le tapis. Et coucou, Volda! Comment que ça va? Amélioration du métier à qui c'est premier. Ça a été ton petit week-end. Bienvenue dans mon humble palais, petite voyageuse. Et tout ce que je possède est de première qualité. Et tout est aussi vissé au plancher. Ne t'invente pas d'histoire. Okay. Faut que je passe par... Attends, mais il reste un truc, là. Oui, là-haut. Ah. Non. Oh. Dommage. Tu as trouvé la boîte? Peux-tu me la donner? Merci. Je vais la garder précieusement. Ah, oh, tu as trouvé autre chose? Waouh, j'ai oublié que j'avais ça. C'est le vieux manuel du Golden Royal. Tu te rappelles? Ça a été une fois le premier prix de la tombola annuelle de la ville. Je rêvais de cette machine à coudre depuis la deuxième année. Mes pères ne me laissaient jamais jouer à la loterie. Ce manuel pourrait être utile. Tu peux l'utiliser pour améliorer le métier à tisser. Ouais, retournons sur le bateau et oublions l'existence de ce lieu. J'ai pris du recul avec les réseaux sociaux. Ah merde, il y a des trucs qui t'ont trigger dessus. C'est un peu toxique, hein, tous ces trucs-là. J'ai pas regardé la porte en bas. Stella, je... Non, peu importe, la nostalgie, ce n'est pas mon fort. Malgré tout, je suis contente que la villa soit encore en bon état. Enfin, l'est-elle vraiment? Ok, changeons de sujet. Tu dois avoir remarqué l'onglet ameublement de la table de dessin. En y accédant, tu pourras ajouter des éléments décoratifs aux maisons des esprits et aux stations. C'est le moment d'améliorer le métier à tisser. Lorsque tu auras les ressources nécessaires, fais-le. C'est la seule façon de fabriquer du tissu à partir de fils. Ouais, j'ai vu là... C'est Trinity, je crois, qui disait ça. Enfin, j'ai vu passer d'autres trucs, mais en tout cas des streameuses que je connais. C'est ouf. J'ai plus le nom du gars, mais ah ouais, les appels OV et tout, là, c'est grave, hein. Franchement, c'est grave. Hein. Il y a des gens qui ont des gros problèmes. Ah, il me faut du fil de lin, donc il faut que je plante du lin. Je n'ai plus de lin. Ouais, non, non. Entre ça, avant, il y avait toute la polémique autour de certaines personnalités, entre guillemets, en tout cas influenceurs, tout ça.
ont des propos limite. Il y a toujours des trucs. En ce moment, j'ai l'impression qu'il y a toujours des trucs dans les réseaux, enfin sur les réseaux sociaux. C'est le mood de l'hiver. On paie d'avoir laissé trop de liberté. Bah, c'est comme ça depuis le début, j'ai presque envie de te dire. Hein. Vois-tu quelque chose à grignoter? Bien sûr. Tiens. Pendant que tu manges, c'est le meilleur moment. C'est toujours pareil, hein, quand... quand les gens peuvent se cacher derrière un pseudo... ils s'en foutent. Et tout ce qui est cybercriminalité, on est encore loin du compte, hein, au niveau des flics. Ah si, j'ai encore des graines de lin, cool. Faut que je plante plein de lin. Enfin, ça commence, tu vois. C'est bien, c'est mieux qu'il y a quelques années où, enfin, légalement parlant, ça n'existait pas, tu vois, la cybercriminalité. Mais on est encore loin du compte. Encore compliqué, ouais. Ça va être ça. On dirait des carottes. J'espère que c'est pas des carottes. J'ai acheté ça 500 balles. Au secours. Ouais, va bien. Ah ouais, non, non. Enfin, c'est pas un reproche. Hein, c'est juste un constat. Allez, je vais dans les mines. Je passe la frontière bleue, c'est la première fois. Qu'est-ce qu'elle a une dernière fois? Écoute, je dois te parler de Doug. Il m'a appelé la nuit où père est mort. Maman était encore dans l'avion et il ne pouvait parler à personne d'autre. Il était poli, bien articulé. Nous avons discuté une bonne heure et il a pleuré que deux fois. Ça ne m'a pas frappé sur le moment, mais il était dans un bar, ce qui était étrange pour un comptable. Il m'a raconté que père lui avait dit... Il m'aimait juste avant de mourir. Nous ne sommes jamais reparlés. On se demande des fois où est la priorité. Choper Jean-Michel qui s'est gravé un CD de Georges Alain. Ah oui. Ouais, c'est... Oh là, qu'est-ce qui se passe? Oh! Ah, c'est ça la ligne bleue? Je peux pas passer? Waouh, notre bateau ne peut pas franchir ça! Albert a peut-être quelque chose pour nous dans son arsenal. De la dynamite, quelque chose du genre. Ah. C'est le Titanic, au secours. On revient d'amuse-bouche. Je viens de te filer à bouffer. Ah. Bah tiens. Ah, c'est ça le truc bleu, ok. Je me demandais ce que c'était, ça. On va pas aller là du coup, hein. On va pas marger. On va aller là. Ah non. Est-ce que je peux aller là? Du coup, je traverse pas la barrière bleue. Ah non, non, c'est sûr, c'est pas simple. Mais après, par contre, enfin, je pense pas qu'il y ait... Enfin, c'est des équipes qui sont dédiées à chaque fois. Donc, c'est pas Jean-Michel, Jean-Michel Graveur ou Jean-Michel Excès de Vitesse. Il est pris en charge par les équipes qui s'occupent des Jean-Michel Graveur et des Jean-Michel Excès de Vitesse. Tu vois ce que je veux dire? Et... C'est pas les mêmes services. Maintenant, il y a des services de cybercriminalité. Il y a des trucs, c'est trop grave. Hein. Oh!
Perfect. Comment ça, tu veux pas me faire au dos câlin? Tu veux manger? Tu veux boire un coup? C'est un café, t'as pas besoin d'avoir faim pour un café. Tu as oublié la cuisine? Elle a vraiment besoin d'amélioration. Mais oui, mais il me bat pour l'instant. Arrêtez. Améliorer. Ah, il me faut du tissu de lin, donc d'abord il faut que j'améliore ça. Avant d'améliorer ça, il me faut du lin. Merde, je peux pas tout faire. Au secours. Le champ Gurenu. C'est joli. Je me rappelle une fois quand j'avais encore un SAV Toshiba sur PC portable. Il y a un mec qui avait laissé plein de photos. Super, j'étais choquée. Et ensuite, quand on l'a appelé pour récupérer le PC... Les flics l'ont embarqué. Ah bah oui, mais pour des trucs comme ça, non non, ça c'est encore autre chose, hein, que ce soit sur ordinateur ou chez toi, ça c'est encore autre chose. Ça c'est des trucs qui sont traités depuis des années et des années. Hein. Bienvenue. Es-tu ici pour renommer quoi? Pour les renommées visites Furogawa? Mais bien sûr, puisque tu es notre brochure en main. La visite est sur le point de débuter. Elle est d'environ 5 minutes et traite de l'histoire de la flore de l'île. Et après, tu pourras tout raconter à tes amis. Ne t'en fais pas, il n'y a pas de boutique souvenir à la fin de la visite. Prête ? Bah, let's go. Parfait, débutons. Ouais, je suis... Je sais pas, Dark. Ça doit... Les deux doivent se croiser, à mon avis. Enfin, après, j'en sais rien, mais... Cette île n'accueille pas beaucoup de visiteurs. Les gens préfèrent les attractions des grandes villes. Ici, c'est paisible et silencieux. Tu remarqueras ici la faune, les rizières et les forêts luxuriantes sont des attractions principales. Continuons. Elle a l'air tellement chill, cette île. J'adore. Ah, c'est arrêté. La production de riz est incroyable. Le travail, les travailleurs moissonnent toute la journée et toute la nuit pour nourrir les familles ici. Mais en ce moment, il n'y a personne. Je ne suis pas certain de savoir pourquoi. Je joue dans les rizières parfois, quand j'ai congé. Mais c'est hors propos. Dirigeons-nous vers notre prochain arrêt. On n'approche pas trop. Ça va. Oh, c'est joli. C'est joli de ouf. Je peux ressentir l'humidité, je veux dire, la ressentir vraiment. Cette forêt de chênes me touche droit au cœur. Nous sommes liés, une connexion étrange. Je saute habituellement cette partie de la visite pour être honnête. Ce serait bien si nous continuons. Oh, je... J'arrive. Vas-y, avance. Tu ne vois pas dégommer l'arbre. C'est l'archil. C'est ça, j'adore la forêt, coupons-la. Bah, c'est pour la ramener en souvenir avec nous sur le bateau, c'est logique. Et... Comment je vais pour la ramener en souvenir, Zino? Cet arbre de la bonne fortune est la pièce de résistance de l'île. Nous ne savons pas quand il a été planté. Des gens de partout au monde voyagent pour venir y laisser un petit message. Ça les aide à vivre. Cela conclut notre visite. Les visites te remercient pour ta participation. Merci pour ton écoute et ta patience. Merci encore pour ta présence. Si tu laisses un pourboire, ce sera apprécié. Je recommande 50 lueurs. C'est super. Je savais que je toucherais la corde sensible. Je t'inscris à l'infolettre de notre prochaine visite. Tu passeras un bon moment éducatif. Merci pour ta gentillesse. Allez, petit succès. Plus que 15%. Qu'est-ce que c'est ?
Oh, des fraises! Oui, les fraises! Elles ont l'air incroyables, j'en rêvais justement. Oh, délicieux, j'en avais beaucoup trop envie. Lui faire un câlin. Ah. Attends, il y a une... C'est quoi ça? Il y a un mouton! Ah! Il n'y a pas mon bateau. Mon bateau n'est pas là. Ok, donc 2-3 bois et des fraises. Enfin, une fraise du coup, parce qu'il a tout bouffé. Yarvol. Quoi? Qu'il y a? Ah d'accord. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, c'est pas mal déjà. Ah, ok. Bon bah non, rien, ça me va alors. Oh, le bus! Ah non, attendez, je vais juste voir le bus avant. Le bus, il brillait pas. Là, il brille, je veux voir le bus. Bon bah c'est bien, j'apprécie. No backseat. No backseat, no spoil. Ah, ça y est. J'ai planté les bouteilles. Pardon. Je vais juste voir le bus et je m'arrêterai pour aujourd'hui parce que j'ai faim. Guy, on continuera demain avant le tut-tudu. Aussi, t'as faim? Tu me fais à manger, Maro. Je sais pas ce que je vais manger, ce soir. Oh, il y a une surprise. J'avais si faim comme d'habitude, alors j'ai agi. Je suis descendue du bateau et j'ai trouvé quelques baies. Mais je suis un peu excitée, j'en ai trop. Voilà, passe une excellente journée. Oh, des fraises. Tu m'as préparé des pâtes bolo? Trop bien. Let's go. Merci les Didi. Les courses arrivent que demain. Ah. Oh, il était pas là la dernière fois que je suis venue. Attends, il y a une otarie. Bienvenue dans mes fameux arrêts de bus. Je les ai trouvés, ils sont à moi, tout à moi. Mon nom est Alex, c'est un nom magnifique, le meilleur nom. Mais ne m'appelle pas Alexander Burke. C'est un nom de merde, ça me bute les dialogues. Ah, très bien. Non mais... Un nom de merde pour des gens de merde, ok. J'en étais où? Oh, oui, je suis Alex, je serai ton conducteur de bus. Je n'ai pas toujours été un conducteur de bus, avant j'étais comptable. Les nombres, c'est mon fardeau. Et maintenant, t'amener partout, c'est mon cadeau. Tchou tchou. Non, attends, c'est pas un train. C'est un arrêt de bus, je suis ton chauffeur. Tu vas aller quelque part? T'aimes pas ma musique, vraiment? Tu veux vraiment que j'arrête de jouer? Non. Quelle bonne blague, elle est bonne. Ok, voyager. Ah, ça c'est intéressant. Ok, donc ça va me permettre de retourner sur les îles. Cool. Cool, cool, cool. Bon, je vais rester là pour l'instant, mais... Ok, c'est bon à savoir. J'ai débloqué les arrêts de bus. Tu sais, quand j'ai accepté la promotion chez Global, je pensais vraiment que je pourrais y arriver. Et j'ai presque réussi. Si ce n'avait pas été de ma maladie, j'aurais pu faire une différence. Quand je me suis installée dans le Nord, j'ai fait déménager mon piano et ma machine à coudre. J'y suis restée pour éviter les problèmes. Partout où j'allais, je tombais sur les Macmillan. Chad voulait toujours que je sorte avec lui et ses amis. Mais je ne leur ai jamais fait confiance. C'est des connards. Et je ne prends pas ça, je prends pas ce poids à la légère. Vas-y, je te fais un câlin parce que t'as dit connard. Ok. Eh bah très bien, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je vais aller manger. Je rejouerai peut-être tout à l'heure, mais j'avancerai pas dans l'histoire. Si je joue, j'irai juste farmer un petit peu les ressources. Genre sur les îles à la con comme ça. Tout ça. Oh non! Oh, tu viens de revenir! Oh non!
Pardon, mais j'ai faim. Pardon, eau chaude, j'ai faim. Excuse-moi. Oh, désolé. Je suis en train de m'auto-digérer. Mange du poisson. Il y en a plein dans le jeu, mais... Ça fait toujours la même chose. On a bien avancé en tout cas aujourd'hui, c'est cool. On a deux nouveaux copains. Pourquoi elle va pas dormir, elle? Elle va pas dormir. On a deux nouveaux petits potes, on a plein de nouveaux bâtiments. C'est cool. Et coucou Orfeo. Et merci Orfeo. Bon auto-digérage du coup. Kaorik Kappa. Oui, 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 oui. Et coucou Tara, et merci beaucoup. Merci pour ton Prime Gaming. Merci beaucoup. Bug ou problème? Ah bah je sais pas. Ah ok. Comment ça va Tara? Bon bah du coup on continuera le jeu demain. Demain, demain.